Un médicament, c'est une molécule synthétique qui n'existe pas dans la nature. Nous sommes des cobayes et nous sommes aussi des véhicules pour ces molécules. Ces molécules, nous les ingérons, mais nous les excrétons aussi. Mmh. Elles se retrouvent dans l'eau de nos rivières et même dans l'eau de nos bouteilles. Mmh. Récemment, donc, l'eau, c'est une grande pharmacie au fond. On y retrouve toutes les molécules. Hein. Absolument. Et c'est un énorme problème. Un hangout organisé par le CETI a d'ailleurs eu lieu il y a quelques jours. Ma tête de Christine, vous avez prononcé un gros mot là. Un hangout, c'est une discussion en vidéo et en direct entre plusieurs intervenants. Voilà, ils vont se foutre de nous sur Twitter, mais c'est pas grave. Prenez votre cahier de citation. Vous connaissez la nature de cette expression d'ailleurs ? Pourquoi par cœur ? Pourquoi est-ce qu'on appelle ? Alors tout à fait, c'est parce que Aristote pensait que le siège de la mémoire était dans le cœur. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que quand on évoquait des souvenirs, avec des émotions, le cœur battait. C'est joli en tout cas. Oui, c'est très joli. Ce qui m'intéressait, c'était de chercher les compagnons les plus faibles qui tournaient autour des étoiles. Et donc, on a eu un programme de 142 étoiles comme le Soleil. Et puis après, c'est la pêche à la ligne. On essaye. Et tout d'un coup... La première exoplanète. Et la clairette de Die nous a aidé à fêter ce moment. Faites-nous partager votre bonne humeur. Monsieur Diderot. Il a une phrase au début du Neveu de Rameau. Il dit « Mes pensées, ce sont mes catins ». Non. Mais oui. Donc il court après ses pensées comme le libertin court après les catins. Par cette passion des idées simples, elle ne mène qu'au fanatisme. Sois léger, Abraham. Abandonne ton esprit à son libertinage. Excusez-moi, monsieur. Je vais jouir.